Michal, Star Academy, près de 20 ans plus il revient sur la polémique raciste de l'Orange. Cette chanson a définitivement marqué les fans de la Star Academy. En 2003, les candidats de la troisième saison de l'émission de TF1 enregistraient la reprise d'un titre de Gilbert Bécaud. L'Orange. Un morceau qui a été un tube à la surprise générale pour la production du télécrochet mais également pour les élèves de l'époque du château de Damary-les-Lys. Si Élodie Frégé, Sophia Essaïdi, Pat Xigara ou encore Luc Adelcourt participaient au morceau. Michal Kwiatkowski, lui, en était le leader en entonnant « Vous êtes fou, c'est pas moi ». Je n'ai pas volé l'orange, j'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Des paroles reprises à tue-tête par les téléspectateurs. Près de 20 ans plus tard, l'orange colle toujours à la peau de l'ancien finaliste de la Starac. Même si ce dernier ne renie pas du tout son succès. Lors d'un live Twitch de Combini, Michal est revenu sur l'incroyable succès de l'orange et s'est confié au sujet de la polémique qui avait éclaté à l'époque. Certains avaient ainsi jugé raciste le choix de Michal en tant que potentiel voleur de l'orange. Grand ami d'Élodie Frégé a ainsi révélé qu'il avait été choisi par le coach vocal de la Star Academy lors d'un exercice de chant a cappella sur le titre. Qui a finalement été enregistré. Il fallait un leader et il m'a dit, tiens Michal. J'imagine que c'était quand même un petit peu organisé, a-t-il confié. Avant d'évoquer les journalistes de l'époque lui demandant s'il ne trouvait pas ça un peu raciste. Je ne l'ai jamais pris comme ça. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, on n'aurait pas osé. Mais en 2003, on ne se posait pas la question. J'étais bien content d'être mis en avant. Dans une aventure où tu fais tout pour être mis en avant et tu te dis, j'ai gagné le gros lot pour Michal, il n'y avait donc aucun scandale.